Peu importe comment tu te bats, je vais te faire souffrir. Changement! Jugs? Nope, bonne perneur. Tu veux un bout? C'est du saumon. Les ours adorent ça, non? Alors, goûte ça. Changement! Attendez, il se passe quoi, là? C'est le mode Triple Strike Team. Ça permet aux joueurs d'alterner entre leurs trois guerriers à n'importe quel moment du match. Ne manquez rien de l'action en nous suivant sur Cubnet. Je rêve ou... Bria essaie de me voler la vedette? Peut-être bien. Dans un match à trois classique, un joueur n'est autorisé à changer de guerrier qu'après un ultime split strike. Par contre, dans le mode Triple Strike Team, on peut changer de guerrier à tout moment. Comme nous allons le voir bien assez vite dans la partie Triple Strike Team du prochain match de championnat de Jet. Fire Strike, Turbo Chucks, Shades et Angry Astrid. Vous êtes prêts, les amis? Et ton adversaire a choisi Overboard, Captain Plunderfoot et Dark Spike. Oh, regarde! Tous tes guerriers sont sortis de leurs pièces pour faire équipe. C'est ça, la camaraderie. Coucou! Oh. Hey! Un peu de sérieux, là! On est au championnat d'Akedo, je vous rappelle! Vous croyez qu'ils font les idiots, les autres? Ce narval pourrait être notre grande baleine blanche! Je suis Dark Spike, ni blanc, ni baleine. Je suis une licorne. Ça fera l'effet. Baleine en vue, moussaillon. N'oublie pas, Jet, c'est victoire par KO. Le premier joueur à infliger un split strike à chaque guerrier adverse gagne. Oui, si c'est rigolo de se mettre pas KO tout seul avant. À l'attaque, split strike. Génial! Allez, maintenant, prends Angry Astrid pour qu'elle bloque le coup de pied de Captain Plunderfoot avec son marteau. Calmos, vieux, hein? Bah, tu vas nous donner le... Par la fureur du dragon aquatique! C'est quoi ce délire? C'est donc des jeux, vieux! Non, ça c'est l'arc-en-ciel sombre. Yeah. Il faut le tirer de la Jet! Changement! Attends, mais il se passe quoi là? Tu changes trop vite de guerrier. Ça sert à rien d'aller aussi vite. Le plus important, c'est d'envoyer le bon guerrier au bon moment. Changement! Hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un changement! Split Strike! Il ne reste plus que toi, Chucks. Changement! Je suis censée faire comment, moi, pour gagner ce Triple Strike Team? Bats-toi comme ton adversaire. Elle envoie chaque guerrier pile au bon moment et elle utilise les pouvoirs de chacun pour, t'écraser. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire, alors. Oh, la prochaine fois. Split Strike! Désolé, Jet. C'est victoire par KO et tous tes guerriers sont... KO, je sais. J'allais dire éliminés. Envoie-moi ce narval par le fond, moussaillon! Je suis une licorne. T'as peut-être perdu, Jet, mais on peut au moins dire que t'auras pas à subir ça. J'adore Akedo!
électrocuter, les pulvériser et leur mettre le feu. Ouais, vous avez vu ça? Cub? Bria? Vous êtes où? Attention! Il y a un problème. Alpha Predator Tailwhip est hors de contrôle. Bria travaillait sur une technique qu'elle a inventée et tout à coup, c'est devenu bizarre. À l'attaque! Freeze! C'était seulement une attaque sur éclair avec double détonation et octuple amorce. Hein? Une attaque qui demande beaucoup de préparation. Oh! Wow! La technique de Bria fait la même chose à tous les guerriers? Non, j'ai essayé avec Shreddy, mais ça a fait un truc différent. Attends, je te montre. Vous voulez des frites avec votre gros câlin? Oups, mauvaise vidéo. Trop bizarre! Oui, je sais. Tailwhip avait déjà été sauvage avant. Mais jamais à ce point-là. Non, je parlais de la pub pour les papouilles et tambouilles de l'ourson trop mignon. Je vous aime tous très fort, les enfants. Hé hey, avant, c'était un nounours automate à câlin. Et puis quelqu'un lui a brisé le cœur, il est devenu un peu taca. Les gars, vous m'aidez? Je dois regarder le code de Tailwhip. Wow! Où t'as appris à faire ça? Quand je joue pas à Akedo, j'apprends à coder. Je veux devenir développeuse de jeux vidéo. Moi, tout ce que je fais quand je joue pas à Akedo, c'est regarder des vidéos qui parlent d'Akedo. Pareil. Tiens, regardez ça. Dino Rage et mode bestial. Ah oui! Son problème doit venir de là. Vas-y, efface ça. Attends, Cub. C'était pas ça, le problème. C'était la seule chose qui contenait le problème, justement. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour le retenir maintenant. Oups. Désolée. À vrai dire, je crois que c'est... la pire erreur que Cub ait jamais faite. Non, en fait, c'est... cool. Trémorphiste Tailwhip. Ça doit être une version cachée de Tailwhip. Regardez-moi ces stats de dingue! Et cette armure! Oh là là, il est beaucoup trop puissant! Et complètement incontrôlable! Ah! T'as raison, Bria! Trémorphiste Tailwhip va être génial! Enfin, si t'arrives à le contrôler. Attendez! Je peux peut-être vous aider! Pour de vrai, cette fois. Shreddy, je crois que t'as besoin d'une amélioration aussi. Il faut seulement que je fasse une petite suppression. Les griffes se rebiffent! Prêt à l'attaque! Split Fry! Voici venu l'heure de te battre! Que se passe-t-il? Tu t'es transformé en géant! T'es devenu Trémorphiste Tailwhip! Et tu es aussi l'un des plus grands guerriers d'Akedo! Assurément. Maintenant, que tous ceux qui se dressent sur mon chemin subissent ma dino-rage destructrice! Content de voir que t'as repris le contrôle, Bria. Il est trop génial! Shreddy a l'air plutôt ravi aussi. Tu lui as fait quoi? Oh, j'ai seulement libéré une chose qu'il avait déjà en lui. tu parles de ses talents de chef cuistot? Non! De ses articulations bioniques ultra rapides d'automate! Regarde comme ça le rend puissant! Ah, allez, Klausom Shreddy! Allez, Trémorphiste Tailwhip! Allez, Akedo! Oh yeah! Je suis le champion! Aide-moi!
Je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Split Strike! Bien joué, Tailwhip. On ne faisait que s'échauffer. En avant, Bootup! Chargement. Split Strike. Échec. Split Strike. Alors ça, c'est le genre de pouvoir qu'il nous faut pour la vraie tempête de pouvoir. Pouvoir, tu dis? Tailwhip en mode trémorphiste est fort. Mais comme je l'ai démontré avec mon taux de victoire de 99%, le savoir, c'est le vrai pouvoir. Oh. Alerte, joueur Cub et Briard. Votre compte est suspendu 24 heures pour modification illégale de Tailwhip et Shredhiver. Partez dans les 5 minutes ou vous serez banni. Avis. Sérieux? Non, c'était rien de plus qu'un accident. Bon, d'accord, pas tout à fait, mais... on est désolé. Oups, pardon. On ferait mieux de partir. T'as encore un peu de temps, je te propose ça. Le prochain Speed Strike gagne. Alors moi, quand je modifie mes guerriers, c'est de la triche et je perds mon équipe. Mais quand ces rigolos font pareil, c'est rien de plus qu'un malheureux accident. Oh, c'est ce qu'on va voir. Les nouvelles techniques de Tailwhip sont fortes, mais ridiculement prévisibles. Non, c'est pas ça. Peut-être que si je... Si ces espèces de noobs et cervelis y arrivent, alors moi... Une seconde. Il y a un truc qui cloche, là. Glitch Blade. Destruction. Parfois, la flamme vacille, mais jamais ne s'éteint. J'ai trouvé! Si on fait un split strike à Tailwhip, on pourra peut-être accéder directement à son code. Il faut filer, Bria! Faudrait pas que tu perdes tes guerriers! Je compte sur toi! Crois-moi, t'as pas envie de finir comme le dernier serpent qui a osé me décevoir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut... Que tu t'en ailles, je suis bien d'accord, oui. Il nous reste 90 secondes pour vous régler votre compte pour de bon. Si tu veux la jouer comme ça, alors... Ouais, à la DAC! Split Strike! Rends-toi, créature primitive de seconde zone! C'est moi, le guerrier le plus évolué ici! Seuls les faibles ont besoin d'évoluer. Je suis déjà parfait tel que je suis! Non, Tailwhip, fais pas ça! T'as fait cette technique dans le combat numéro 724 contre Squidlips. Et dans le numéro 862 et 865. Hé! Reste concentré, Bugtooth! Non! Attends mon signal! Il connaît toutes nos techniques! Je te connais dans les moindres détails, Tailwhip! Je peux prévoir tes mouvements avant même que tu ne les fasses! Oh! Alors t'étais pas trop trouillard pour attaquer? Seulement trop malin? Précisément! Tu savais que t'avais aucune chance de le toucher, alors t'as attendu? Non, je l'aurais touché si j'avais voulu! Oh, vraiment? Oui, bien sûr! Absolument! Bugtooth! Alors, prouve-le! Avec plaisir! Allez, on envoie la sauce, Tailwhip! Une cervelle de fossile comme toi a été plus maligne que moi. Ce n'est pas dans ta nature. Mais la défaite est dans la... Tu n'as rien compris, Bria. J'ai besoin de ce Tailwhip. Sinon, ce sera la fin d'Akedo. Tes manigances ne prennent plus, Ward. C'est fini. Allez, salut! Comment il est arrivé là, d'ailleurs? Non! Pas d'inquiétude. C'est comme le combat numéro 1789! Non! C'est trop tard! La tempête de pouvoir dégénère! Alors ça, c'est de la tempête de pouvoir! Shades a un bonus de dégâts contre les guerriers de l'ombre!
Badaboum! Bye bye! Blitz Strike! Ice Storm Axel a 2 points de dégâts de bonus contre les guerriers du feu, ce qui veut dire que je vais l'exploser! Blitz Strike! Fire Strike Turbo Jets contre une guerrière de la Terre! Avec la tempête de pouvoir, c'est l'heure du Blitz Strike! Ouais! Blitz Strike! Il parle à qui, Jet? À des amis? À des fans? Ou bien il s'adresse au monde d'Akedo? Bon, d'accord, il est en train de parler tout seul. J'espère qu'il va pas prendre le melon. Je suis le roi d'Akedo! Victoire d'affilée, vous avez vu ça? Tempête de pouvoir, on devrait appeler ça la tempête de Jet parce que je suis une vraie tornade. Bria, t'aurais pas vu notre vieux pote Jet? Tu parles de celui qui n'y comprenait rien à la tempête de pouvoir et à qui on a dû tout expliquer? Oui, c'est ça, c'est lui. Oh, allez, arrêtez. Je sais que j'aurais pas pu y arriver sans vous. Eh oui, vous avez raison, j'ai eu du mal. Mais maintenant, plus rien ne peut m'arrêter. Sauf peut-être ce truc-là. Tout va bien, Jet? On dirait que t'as jamais vu un super splitter. Un quoi? C'est un guerrier qui a 2 éléments, comme Burndown. À moitié terre, à moitié feu. Les super splitters sont pas encore sortis. Mais le gars aux cheveux bleus, là-bas, a donné des versions d'essai à tous les participants. Hein? Oh non, 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 non! Mais je fais comment, moi? Il a l'air puissant, mais ses stats ne sont pas plus élevées que les tiennes. À ta place, je commencerai pas par mon meilleur guerrier, histoire de tâter le terrain. Moi, je sais de quoi il est capable. Attaquer avec la terre et le feu. Alors, tu devrais l'affaiblir avec un guerrier de l'eau. Quelqu'un qui peut éteindre ses flammes et inonder sa terre. Quelqu'un comme Shade. Ouais, à l'attaque, Blitz Strike! Je vais te faire boire la tasse, mon gars. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas de Blitz Strike. Uh-oh. Sans Burn Down. Hein? Un message urgent? Et il est anonyme? Je verrai ça plus tard. D'accord, changement de plan. Puisque Burndown a 2 éléments, tu devrais essayer un guerrier qui a un bonus à la fois sur la terre et le feu. Fire Strike, Turbo Chuck! Il ne peut y avoir qu'un seul plus grand guerrier d'Akedo. Moi! Ouais, à l'attaque, Blitz Strike! Régnez la fureur de mes points de feu! Je parie que t'avais pas prévu ça, que t'as choisi d'être mi-flamme, mi-boisé. Ah, j'aurais dû le voir venir. Maintenant, je vois plus rien du tout. Ah non, 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 non! Il faudrait un super splitter aussi pour le battre. Encore des messages, c'est pas le moment. Accroche-toi, je vais te réduire en cendres. Non, je vais te faire mordre la poussière. Cendre, poussière, cendre, poussière, cendre, poussière, cendre, poussière, cendre. Fire Strike Turbo Smash! Speed Strike! J'ai jamais vu un Speed Strike pareil de toute ma vie! Oh non! Il s'est passé quoi? Burndown est en version d'essai. Il a peut-être fait bugger le jeu. D'accord, mais il sortait d'où, ses yeux géants? Vous imaginez si le jeu est cassé pour de bon? Et si on a perdu tout ce qu'on avait? Oh non, non, non! Oh, c'est revenu! Oh, coup de peau! On dirait que le bug a effacé l'historique de notre combat. On va devoir tout reprendre à zéro. C'est vrai? Je veux dire, ouais, c'est toi qui as eu du pot. Comment je vais pouvoir le battre si j'ai pas de super splitter? Et d'où viennent tous ces messages? Ils sont tous anonymes et... Et ils disent tous la même chose, lésine pas sur le bling. Buster Bling? C'est bien le boxeur, non? Mais personne ne l'a joué depuis le début de la tempête de pouvoir. Wow! Buster a changé! On dirait qu'il est devenu... Un super splitter! Et j'ai trop hâte de jouer avec lui! Avant que le monde ne change à jamais, je comptais parmi les plus grands boxeurs.
Mais les trophées n'ont aucune valeur sur ces terres dévastées. C'est pourquoi j'ai fait fondre mes ceintures d'or pour devenir Buster Bling. Mi-homme, mi-castagneur cybernétique, 100% grabuge. Oui, ok. Ça faisait déjà longtemps qu'on le savait, ça. On jouait ensemble dans Akedo. Regarde. Nous, on veut savoir comment t'es devenu un super splitter. Raconte-nous tout, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Attendez, il a pas fini son histoire. Oui. Donc, comme je le disais, j'ai combattu les démons de l'apocalypse, de jour comme de nuit, jusqu'à me retrouver face à leur maître, Monsieur Splitz. Un épouvantable mélange entre un mutant infecté et un expert comptable. Je vais t'écraser comme une mouche. Et ensuite, je taxerai tes revenus fiscaux. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis libre. Je suis libre. Bon, que quelqu'un appelle les ressources humaines. Je suis rentré de mes RTT et je peux savoir où est mon café latte. Je crois que je l'ai cogné assez fort pour expulser l'infection de son corps et la transplanter en moi. C'est comme ça que Buster Bling est devenu Buster Splitz. Ça tabasse, hein? Bim, boum, boum, boum. Un bon pif. Si j'ai bien compris, il a un côté cybernétique qui carbure à la lumière et un côté qui carbure à l'ombre, qui serait plutôt un genre de monstre. C'est ça. Et les deux s'affrontent pour prendre le contrôle. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Prêt à l'attaque, Split Strike. Je suis l'âme de la forêt et je suis l'esprit du feu. Prêt à l'attaque, Split Strike. On va livrer un combat loyal. Ça ne m'empêchera pas de faire des coups bas. Hé, hey, c'est pas du jeu, ça. Tant mieux. Je préfère jouer comme ça. Buster, perds pas ton temps à grogner. Et faire des bruits de robot. Conscience que c'est un peu cocasse de demander ça à un super splitter. Surtout quand ces deux éléments, c'est l'ombre et la lumière. Est-il gentil ou méchant? Il est tiraillant entre le bien et le mal. Je sais bien, oui. Mais Burn Down arrive très bien à combiner ces deux éléments, lui. Et alors? Tu peux y arriver aussi. Ok. Buster de lumière, analyse tes points faibles avec ton œil cybernétique. Excellente idée. Comme ça, je sais où éviter de cogner pour que ça reste loyal. Oui, c'est ça. Et maintenant, Buster de l'ombre, utilise ton monstrueux point mutant et frappe là où ça fait mal. Attends. Laisse-moi t'aider. Subir un splitter. Ton match a enflammé le Cub NetJet. Même Ward a laissé un commentaire. Il dit que c'est lui qui t'a secrètement conseillé, Buster. Hein? Bizarre. Attends, il a dit quoi, là? Alors c'est lui qui t'envoyait des messages anonymes depuis tout ce temps? Peut-être bien. Mais pourquoi il aurait fait ça? J'en sais rien, mais on va le découvrir. Tous ensemble. Sur le Cub Net. Je voulais dire tous ensemble. Enfin bref, est-ce que vous êtes tous prêts à l'attaque Split Strike? Tu vas subir mes réactions en chaîne dévastatrice. Oh.
Vas-y, Jet! Tu vas l'avoir! Goûte à ma furie survoltée! Jet, prépare-toi pour le Speed Strike! Je me suis cogné la tête si fort que ça! Je peux savoir ce qui se passe là? Attends, mais c'est pas normal! C'est passé en mode double strike team tout d'un coup! Changement! Peu importe, la furie survoltée 2! Retour! J'adore les blagues, mais les plus courtes sont les meilleures! Changement! Vas-y, change de guerrier autant que tu veux! Parce que cette fois, c'est la fin! Changement! Qu'est-ce qui se passe là au juste? Tu veux mon avis? Je crois que le jeu est complètement en train de perdre les pédales! C'était pour le moins étrange. Je te le fais pas dire, Chucks. Chucks? Et Chucks? Et Chucks? C'est partout pareil, dans tout Akedo. Le jeu est complètement en train de se détraquer. Tu devrais écouter Cub, Jet. Ça sent le sapin, là. Il faut que tu mettes fin à ton match. Sur le champ. Tu rigoles. Si je fais ça, je perds. Et je renonce à mes points de réputation, ce qui t'arrangerait bien. C'est vrai. Ce serait pas mal. Mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Nous devons à tout prix sauver Akedo. Nous, tu dis? Écoutez. Jet et moi avons déclenché cette tempête de pouvoir avec notre Split Strike. Et Cub et Priya ont deux des plus puissants guerriers d'Akedo. Alors, même si ça m'écorche de devoir dire ça... Oui, je vais avoir besoin de votre aide. Allez, arrête! Je parie que c'est encore une de tes ruses! Pas vrai? Hey! Il faut faire vite! Le temps presse! Attention, je te préviens, Howard! J'espère que t'avais une bonne raison de faire ça! Ah, une bonne raison comme par exemple des dizaines de Chucks dans le même combat, le mode de jeu qui change aléatoirement et des arènes complètement buggées? Suivez-moi, dépêchez-vous! Ce monde tombe en ruine depuis que la tempête de pouvoir a été déchaînée. Bientôt, il n'en restera plus rien! Sauf si on arrive à sortir des limites du monde jouable. Quoi? Mais tu sais bien que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. C'est seulement très difficile. J'ai trouvé un passage. Juste ici. Non, c'est pas vrai. Allez, venez, on y va. T'es censé ouvrir le passage d'abord. T'aurais pu nous le dire avant. Et pour y arriver, il faut split striker 6 guerriers différents avec 6 éléments de la tempête de pouvoir différents dans un ordre très spécifique. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on mette nos meilleurs guerriers KO pour toi. Il a de l'espoir, vous trouvez pas? Briya? Cub? Je sais qu'on peut pas faire confiance à Ward, mais... Le jeu est en train de se détruire, il faut qu'on fasse quelque chose! N'importe quoi! On n'a pas tellement le choix, là. Prêt? Attendez, mais vous allez faire ce qu'il dit! À l'attaque, non! Split Strike! Super méga ultra giga ténébreuse attaque éclair de la licorne! T'as intérêt à dire la vérité, Ward. Arrête, est-ce que ça m'est déjà arrivé de te mentir? En fait, te fatigue pas à répondre. L'ombre. Split Strike!
La lumière. Blitzstrike. La terre. Blitzstrike. L'eau. Blitzstrike. Le feu. Il ne reste plus qu'un seul élément. La foudre. C'est pas censé être le moment où une porte magique s'ouvre pour nous mener en dehors des limites du monde jouable. Je vous jure, je vous ai pas menti. Mes recherches ont dû être... Ben voilà. Alors, vous venez ou quoi? Oh hey, lâche-le tout de suite. Comment t'as appris l'existence de cet endroit, Ward? J'ai mis la main sur des documents préparatoires à la création d'Akedo. Laisse-moi deviner, pour pouvoir tricher. Va savoir. Enfin, bref. Akedo est rempli de lignes de code parasites issues des versions précédentes qui n'ont pas été supprimées dans les mises à jour. Ces lignes de code ont créé Lord Shifta. L'ombre de Shifta plane sur le jeu depuis des années. Il absorbe en secret des pixels et de l'énergie élémentale à chaque split strike. Quand Jet et moi, on s'est infligé le split strike simultané, ça a déchaîné la tempête de pouvoir. En faisant ça, on a libéré Lord Shifta. Maintenant, il est parti pour dévorer tout Akedo, sauf si on fait quelque chose pour l'arrêter. Alors il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Arrêter Shifta et sauver le monde d'Akedo. Ouais, allons-y. Au fait, comment on arrête Shifta? J'en ai aucune idée, mais on verra ça une fois qu'on sera entré là-dedans. Bonne idée. Fonce dans ce terrifiant nuage bouillonnant d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le nuage se défend. Et apparemment, Shifta a le pouvoir de générer n'importe quel guerrier d'Akedo. Si Shifta se sent menacé, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Alors, allons-y. Prêt? À l'attaque, Split Strike! Éclair de génie fracassant! C'est pas possible, ça n'en finira jamais! Les gars? Je n'ai qu'une seule chose à déclarer. Blitzstrike! J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout. Il en vient sans arrêt. Wow, t'as raison. Le seul moyen pour faire une percée dans leur rang, ce serait que Cub utilise le pouvoir de Klossom Shreddy et toi, celui de Tremorphis Tailwhip. Ces deux guerriers ont réussi à se transformer eux-mêmes. Leur puissance respective dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Oh, on dirait bien que je vais entrer en mode bestial. Petit ours à ingrat. Attaque! Blitzstrike! C'est par là! C'est si calme tout d'un coup! Je crois qu'on a réussi! Non, Cub, si c'est calme, c'est parce qu'on est dans l'œil du cyclone. Oui. Je le savais, ça. On fait quoi maintenant, Ward? Eh bien, j'ai une petite théorie, mais ça ne va pas vous plaire. Jet et moi avons libéré Lord Shifta avec notre double split strike. Alors, si ça se trouve, il suffit qu'on le fasse à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de Shifta. Souvenez-vous l'énergie qu'on a déployée. Elle a fait tout le tour d'Akedo. Si on refait ça ici, l'énergie sera coincée dans ce nuage. Shifta l'absorbera, réaction en chaîne, et il implosera à cause de la surcharge d'énergie. C'est une plaisanterie, j'espère. Les chances de réussite sont d'au moins 1 million contre une. Même pas, 1 milliard contre une. Je suis prêt à prendre le risque. Ward, on a causé cette pagaille et maintenant, on va y mettre un terme. Prêt à l'attaque, Split Strike! Et c'est parti!
Finissons-en. Attendez, laissez-moi résumer un peu. Si Jet et Ward s'infligent mutuellement un split strike au milieu du nuage de Lord Shifta, l'énergie libérée entraînera une réaction en chaîne qui fera imploser Shifta et Akedo sera sauvé. Oui, enfin c'est la théorie. Mais c'est une théorie qui nous vient de Ward. Oh, donc on est fichu? Oui, je crois bien. Je croyais que la tempête de pouvoir devait se calmer. On dirait plutôt qu'elle grandit encore. Mais ça aurait dû fonctionner. Jet, ça fait partie du plan, ça? Sex, tout va bien? Blitzblade, destruction. Ce fut un honneur de combattre à tes côtés. Non, ce n'est pas logique. Oh, allez, Chuck, t'es passé où? Oh non, c'est pas possible, il a disparu. On peut remercier la théorie de Ward. Non, Chuck et Glitchblade se battent toujours pour nous là-haut. L'idée de Ward était bonne, pour une fois. Il faut seulement voir plus grand. Hein? Split Strike et deux éléments ne suffit pas. Il faut qu'on le fasse avec les six. On n'est que quatre là. Comment on peut split strike et six éléments en même temps? Grâce à eux. Regarde, avec un seul super splitter, ça fait deux éléments. J'y crois pas, t'es un génie. On va combattre pour le meilleur et pour le pire. Ok, donc pour la lumière, l'ombre, la terre et le feu, on a ce qu'il nous faut. Donc toi et Ward, vous devez prendre des guerriers de la foudre et de l'eau. Moi, je vais le faire. Jet, tu peux pas faire ça. T'es tout ce qu'il me reste de Chucks. Hé, frangin, c'était mon frangin. On a grandi ensemble, on a eu le même entraînement. Puis en plus, hein, faut quand même que j'égalise le score. D'accord, Shades. Alors, on va le faire pour Chucks. Shades est un guerrier de l'eau. Donc j'imagine que pour moi, ça sera la foudre. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? C'est par la balance de la justice? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu crois que tout va bien, je débarque et pour toi ça tourne mal. Je te laisse le choix, gamin. Feu de forêt ou glissement de terrain. Enfin, quand j'aurai le feu vert. On n'aura qu'une seule chance. Il faut qu'on travaille en équipe. Tu savais que ça arriverait, Ward. Tu voulais te débarrasser de Chuck, avoue-le. Ça, c'est pour mon frangin. Et ça, c'est pour mon frangin. Et ça aussi. Y aller plus haut et dégage de là. C'est bon, j'ai compris. T'as perdu ton meilleur guerrier, ton ami. Moi aussi, d'ailleurs. Mais on a plus important à gérer pour l'instant. Pas la peine de t'énerver sur moi. Au lieu de ça, vengeons-nous ensemble. Heureusement que Buster peut encaisser deux split strikes. Ça y est, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Pour Akedo. Jet-Li. Pour moi. Est toujours là. Alors ça a marché? Ça a marché? Dis-moi que ça a marché, Ward. Ward? Ah! Oh, Chuck, tu vas bien? J'en étais sûr. Bonjour, joueur 3419. Prêt à te battre? Maintenant, plus personne ne pourra nous arrêter. Je n'en serai pas si sûr à ta place.